J'avais reçu un gros marché pour moi avec une institution de la place, un marché qui était à hauteur de 200 millions. Ils devaient venir visiter les locaux. Et je vous dirais, j'ai pleuré ce jour-là. Ils sont arrivés, ils ont dit que je n'avais pas la capacité d'assumer ce genre de marché. Et surtout, quand ils voyaient l'espace, ils n'avaient pas confiance en moi. Quand je commençais, j'avais des difficultés énormes sur l'aspect financier. Puisque quand nous travaillons avec des institutions internationales, ils ont leur mode d'emploi, ils ont leur système. Vous devez d'abord livrer, ils regardent la qualité et au bout de 30 à 45 jours, on vous paye. Et moi, en tant qu'un jeune entrepreneur, j'avais des difficultés pour faire ce genre de livraison. Je suis passé dans plusieurs banques. Les banques n'avaient pas confiance et surtout j'étais une PME. On me demande des garanties que je n'avais pas. Je n'avais plus de solution. Et ce que je faisais des fois, je partais voir des marouillards, des personnes qui peuvent m'aider l'argent, mais je me suis rendu compte que c'était encore pour me suicider. Et j'étais obligé de payer, peut-être je dirais, 200% d'intérêt. Et c'était très très difficile pour moi. Et j'ai vécu comme ça pendant au moins 2 ans dans cette difficulté. J'étais tout le temps endetté. Tout le temps. Puisque vous vous rendez compte, un marché où moi-même j'ai un bénéfice de 10 millions, mais il me demande de payer avec le taux d'intérêt. Il suffit d'un seul jour de retard de paiement, il multiplie le taux par 2. Et j'avais pris sur moi la décision de tout arrêter. Bien sûr, quand je devais arrêter avec le marouillard, cela signifie que je devais aussi arrêter avec l'entreprise, puisque je n'avais pas d'autre solution. Je dirais sans exagérer, en tout cas moins d'une semaine, premier financement de CAC, c'était autour de 40 millions. 40 millions. Et c'était vraiment la fête. Avec Cofinant, c'est le bon de commande. Vous prenez votre bon de commande, vous allez à Cofinant. Tout ce qu'on vous demande, quel est le montant des achats? Combien ça vous revient? Cofinant vous donne ce montant, vous faites les achats, vous livrez votre client dans la sérénité, dans toute tranquillité. Avant l'arrivée de Cofinant, j'étais autour, je crois, de 3 employés. Mais à ce jour, si je compte, je suis à 18 employés. Et aujourd'hui, les chiffres d'affaires a triplé. Donc, je ne crains plus d'avoir de gros marchés. Maintenant, quand j'ai un marché de 10 millions, 20 millions, je trouve ça, c'est insuffisant, insignifiant, puisque je me dis, j'ai un partenaire qui peut me supporter même à 300 millions et à 400 millions, puisque vraiment, c'est un bon mariage avec Cofinant.